Hello. J'ai toujours constaté que dans ma famille, certaines personnes, quand elles se mettaient en colère, perdaient en fait leur autorité. Parce que la voix montait trop dans le masque, se saccadait, parfois même avec des accents de fausset, qui sont généralement, pour du point de vue de l'autorité, très fâcheux. Mmh. Et en tant qu'acteur, est-ce que c'est vrai d'ailleurs, mais j'avais l'impression de ne jamais pouvoir arriver à jouer bien une colère de manière... autoritaire. Mm-hmm. Et je crois que ça vient de ma mère. Aujourd'hui, je ne lui reproche pas. Non. Hello. Place aux profiteurs d'abandon, aux débrouillards de la décadence. Yeah. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas un peu à l'étroit actuellement à Bordeaux? Parce que Bordeaux, c'est une grande ville, l'Aquitaine. Mais on n'est jamais à l'étroit dans sa ville. Non. Ah non, jamais, ni dans sa région. Vous savez, on est à l'étroit quand on n'a pas vraiment un grand travail à faire. Or, moi, j'ai un grand travail. Et le fait de conduire une ville, de relancer sans cesse une région, c'est un travail qui vaut deux ou trois vies d'hommes. Hello. Try a real high pitch. Yeah. La voix normale avec une voyelle A. A. Voix ventriloquée. Un. Un. Non, on va... La voix normale d'abord. A. Et voix ventriloquée. Un. Voilà. Très bien. Bernard. A. Oh. Ah. C'est la même. Oh. On va peut-être passer au suivant. Merci. Ah. Ah. Tout à fait. Mais elle est un peu coincée, mais sinon c'est bon. Voilà. Christine. Ah. Oh. Hello. Bloody bloody, we likes to fall. What? Une petite chose, Julie. Il faut que tu fasses bien la différence entre Vloulke, ça c'est un L mouillé, ça tu le fais très très bien, mais après, Hlioubom, ça c'est plus un L mouillé, c'est un L dur. Hlie. Voilà, Hlie. Et le tourne une seule fois. Hlie. Super, Hlioubom. Regarde la différence entre Vlioulke, Vlioulke, c'est comme si tu étais sur une patinoire. Tu glisses Vlioulke, essaye-le. Vlioulke. Voilà, et Hlierbom, c'est le contraire. Tu sautes sur la patinoire. Hlierbom. Hlierbom. Alors eh ben oui, oui, c'est très très juste. Et toi, tu es timide. Et toi, tu es dormeur. Comment sais-tu? Et toi? Tu es la tchoum. Hello. Partie en ayant cul. Pas comme un tête, comme un décor.
tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y les vasifs, vas-y l'enfant tout petit déjà. J'ai dit sur la vie, mais il y a la question comme tes oublies la passe Koumako. Si c'était dommage, pas si c'était dommage. Food. You know, I just couldn't stop thinking about it. So, yeah. So, you know, I went to the fridge and I opened up the meat drawer. You know what the meat drawer is, right? Yeah. What was in there? Well, I'll tell you what was in there. You know that bacon that's like maple? It's got maple flavor. The maple kind, yeah. Yeah, so... Yeah? I took that out and I thought... Yeah? I know who would like that. Me! So I ate it. Oh! No. You kidding me? Nope. Not kidding. You know, I also noticed there was some beef in there. Yeah, you know, steak, you know, juicy. Well, I ate that too. But I went back to the fridge just a few minutes ago, and I put something together really special. You're going to love this one. I took some chicken. Yeah. I put some cheese on it. Then I covered it with... Covered it with what? I covered it with cat treats. Yeah. Then guess what? What? I gave it to the cat.